Il a vécu la révolution des skis paraboliques, l'éclosion du surf des neiges ou encore du snow scoot. Jean-Michel Banon est le plus ancien commerçant de la station des Monts d'Olmes, qu'il a, elle aussi, vu évoluer au fil des décennies. Moi, quand j'ai commencé, c'était privé. C'était M. Malocan qui avait la station, la gestion. Après, c'est passé commune de Montferrier. Après, c'est passé communauté des communes. Et là, c'est passé Savassem. Donc, il y a eu 3-4 gestionnaires. La Savassem, c'est l'entreprise qui gère les stations d'Axe 3 Domaines et d'Ascou. Depuis 3 saisons, la communauté de communes lui a délégué la gestion technique des Monts d'Olmes. De nos jours, station rime avec professionnalisation. Le premier objectif, ça a été de redonner goût aux personnes qui sont ici depuis des années, leur faire croire en leur station et surtout les remotiver, parce que c'est vrai qu'avec le temps, quand il n'y a pas les moyens, on a tendance à baisser le bras. Donc ça a été ramener un peu du sang neuf. L'enjeu est de taille pour le territoire. La station fait travailler quelques 150 personnes en hiver. Son avenir s'inscrit dans le développement touristique dit des 4M, Monts d'Olmes, Montségur, Montbel et Mirepoix. Notre rôle, nous, communauté de communes, donc pouvoir, force publique, ça va être dans un premier temps d'investir pour la mise à niveau, puisqu'on est quand même sur des installations un peu qui étaient vieillissantes. Et sur ces 4 ans, c'est pas moins de 2,5 millions d'euros qu'on aura investi sur la station pour une mise à niveau. L'objectif ensuite sera un plan de développement de la station qui viendra dans un deuxième temps, dans les quelques années qui approchent. Créée à la pioche par des industriels du textile, la station fait partie 50 ans plus tard du patrimoine du pays d'Olmes. Elle fêtera ce samedi son anniversaire avec toute une série d'animations, descente au flambeau, feu d'artifice et dancefloor, jusqu'à 2h du matin.